Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, vous allez peut-être avoir de la difficulté à voir un peu. Je voulais prendre un gros plat pour vous montrer que notre grosse patate à whisky va très très bien. On est lundi dernier, c'était sa 10e journée et dernière journée de convalescence. Alors, tout s'est bien passé. Ça a été 10 jours qui ont été un petit peu pénibles pour nous parce que, évidemment, pour pas qu'il court et qu'il monte les marches, il fallait le sortir en laisse toutes les fois qu'il voulait aller faire ses besoins. Mais quand même, c'est fini, puis c'est fini pour la vie. Alors, c'est réglé. Notre petit bébé whisky se porte super bien. Écoutez, on va faire une toile aujourd'hui qui est un peu spéciale, ce que j'ai appelé un coulage pyramidal. C'est-à-dire que Nicole m'a préparé des très petits gobelets collés avec de la colle chaude pour faire un genre de pyramide. Et puis, on va verser un coulage, un dirty pouring par-dessus. Alors, ça va être intéressant. Écoutez, on essaie ça, puis on vient pour le mot de la fin. On y va. Comme moi, j'espère que vous allez trouver que le rendu est très intéressant.
C'est pas tout à fait, encore une fois, ce que je voulais, mais c'est très proche de ce que je voulais. Je voulais probablement un petit peu moins d'agencement ou d'amalgame entre les couleurs. Je voulais qu'on voit la différenciation un petit peu plus claire, nette entre les couleurs. Mais c'est très bien s'il ne fallait pas s'attendre à d'autres choses avec un coulage, un dirty pouring, si on veut. Alors, je trouvais ça très intéressant. Comme vous avez vu, j'ai mis du Floatrol ainsi qu'un peu de silicone et évidemment de l'eau. J'ai quand même fait notre mélange fluide, mais pas tellement. Je veux dire, je l'ai laissé quand même un petit peu plus épais que bien souvent. J'ai la tendance à faire ça depuis quelques temps. Je trouve que le rendu est un petit peu plus satiné et puis les risques de craquelage sont moins élevés. Surtout avec les températures que nous, on a ici. Là, écoutez, aujourd'hui, on a plus 3, puis demain, on va avoir moins 10. Alors, avec des variantes aussi grandes de température, hein, il n'y a pas rien que le virus qui a des variantes, mauvaise plaisanterie, ça peut nous donner des résultats des fois qui ne sont pas tout à fait égaux. Alors, je crois que c'est intéressant. Comme vous avez vu, pour Whisky, il n'est pas venu ici comme à l'accoutumée lorsqu'on commence une vidéo, parce que même si c'est quand même, ça fait quelques jours que sa convalescence est finie, j'osais pas le prendre par les fesses. Vous savez, la cicatrice est encore là, puis même si c'est bien, puis la cicatrice est belle, ça a bien guéri, j'aime autant pas prendre de chance. On va laisser quelques jours supplémentaires. Alors écoutez, j'espère que ça vous a plu, c'est vraiment pas compliqué, c'est à essayer. Si vous voulez faire un peu différent de moi, c'est-à-dire avoir un petit peu moins ou avoir des couleurs un petit peu plus définies entre elles, juste en mettre moins, hein, c'est pas compliqué. Deux couleurs, ça serait assez. Ça serait bien même. Malgré que c'est très très bien ici, là, je vous dirais que c'est, comme vous avez vu, hein, j'ai mis un fond blanc. Ça, je ne vous l'avais pas montré parce que un fond blanc, c'est un fond blanc, là, hein. C'est pas grand-chose, vous mettez le fond que vous voulez. En fin de compte, ça disparaît presque totalement. Mais étant donné qu'on avait un centre qui avait pas beaucoup d'acrylique qui coulait dans notre petite pyramide, on a quand même conservé une certaine partie de blanc qui nous a donné une certaine définition entre les couleurs. Alors, je trouve ça très bien. Écoutez, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et notre grosse patate whisky qui se promène dans le studio. Je vous dis attention à vous pour la prochaine vidéo.